Voyez-vous cette bougie qui éclaire enfin quelque chose? Eh oui, c'est encore une fois grâce à vous. Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour le 14e épisode de notre série modée en 1.16 sur Minecraft. J'ai mis à jour la nouvelle version de Quark, c'est grâce à vous en commentaire. Oula, excusez-moi, j'ai failli casser un verre. Voilà, j'ai mis à jour le mode Quark, vous me l'avez dit en commentaire, c'est pour ça que cette bougie n'éclairait pas. Maintenant, elle éclaire, donc c'est incroyable. Pour ce qui est de ces lumières, ça n'éclaire toujours pas, bon c'est pas très grave. Et Hero of the Village, ça va pas durer très longtemps. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure. Dans le dernier épisode, donc on a fait le raid. D'ailleurs, pourquoi il y a eu plus de push rouge que la normale? C'est encore une fois la question que je me pose. Ah. Voilà, c'est pas grave. Merci en tout cas à tous pour vos retours, pour vos commentaires, ça me fait très plaisir. Il y a des commentaires d'ailleurs qui m'ont touché il y a quelques épisodes de cela, puisque vous savez, j'ai tourné quelques épisodes à l'avance, comme je suis parti en vacances, et là je suis revenu tranquillement, donc là j'ai pu voir tous vos retours, et voilà, il y a des commentaires qui m'ont plus ou moins touché, donc voilà, merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, je sais que ça paraît fou, mais on va s'y confronter et on va y arriver. Aujourd'hui, on va retourner dans le Nether et je vous assure, là, je vous vois déjà venir en mode « Ouais, mais tu vas encore pas bouger ?» Et je peux vous comprendre parce que je suis une petite flippette. Mais cette fois-ci, on va vraiment y arriver parce que vous m'avez rassuré, vous m'avez... Voilà, on est... Ah oui, parce que j'ai fait des trucs en off. Regardez, je suis full diams, j'ai des bottes. Et surtout, regardez, je suis protection 2 partout. Mon épée, Sharpness 3, Sweeping Edge, ça change pas, mais voilà. Sharpness 3 et Efficiency 2 pour ma pioche en diams, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai récupéré pas mal de diamants pour le coup, je suis content, 21, donc j'en avais plus puisque du coup j'ai fait des bottes, donc je suis vraiment content pour le coup, je vais pas vous mentir. Donc là j'ai redéposé ici, voilà pour ce que j'ai fait en off tout simplement. J'ai aussi pu du coup m'apercevoir qu'on pouvait réparer, alors je peux plus le faire parce que j'ai plus d'XP. Où c'est qu'elle est? Ah si, attendez, je l'ai mis là. Voilà, la Iron Hammer Efficiency 3. Donc on peut la réparer avec l'enclume sans problème. Donc je l'ai fait plusieurs fois du coup. Mais là j'ai plus de niveau du tout. Donc voilà. Ouais, donc voilà, on est quand même plutôt relativement bien stuffé. Donc par rapport aux chiens méchants, ça devrait aller dans le Nether. En revanche, au niveau des piglins, enfin et des hauglins surtout, non c'est les piglins qui me faisaient peur, vous m'avez donc rassuré. Voilà, déjà on va prendre de l'or sur soi, hein. Surtout on va se mettre une armure en or sur nous, et comme ça personne va nous attaquer. Voilà, vous m'avez rassuré là-dessus, à ce niveau-là c'est vraiment cool. Alors on va faire des bottes, ce sera le truc le moins coûteux j'ai envie de vous dire. Et on va garder un stack de diamants sur nous, et normalement personne devrait nous embêter, à part les loups. Ce qui est vraiment pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans le backpack les bottes en diams. Je sais pas si c'est une bonne idée. Il y a peu de chances que je meure quand même. Du coup, voilà, on est fin prêt. Normalement, on a tout ce qu'il nous faut. On peut quand même se prendre, juste avant de partir, quelques blocs. Voilà, histoire qu'on soit fixé. Et on va donc du coup enfin pouvoir partir. Voilà. Donc quel est l'objectif les amis? Bon déjà c'est de... Alors vous voyez, j'ai un petit peu affiché mes trophées, hein, bien évidemment. D'ailleurs vous m'avez appris quelque chose, ça m'attriste. On va en parler juste après. Par rapport au raid du dernier épisode. Oui, l'objectif ça va être de se trouver des blazes, hein, tout simplement, de se farmer des blazes. Et peut-être se trouver un petit coin tranquillement. Bon, ça on verra. C'est pas la priorité. Là, c'est vraiment les blazes pour avoir des fire résistance. Et bah, du coup, en fait, on va passer par le petit chemin que j'ai fait qui nous permet donc de monter en haut, tout simplement. Voilà. Du coup, un truc que vous m'avez appris, je ne le savais pas, mais le raid, en réalité, on ne l'a pas gagné. C'est pas par là. Le raid on l'a pas gagné, c'est par là. Malheureusement on l'a pas gagné, j'ai appris, vous m'avez appris, je ne le savais même pas, que donc il y a 6, 7, 8 manches, et le raid s'arrête soit quand le village a gagné, soit quand tous les villageois sont morts. Et en l'occurrence, tous les villageois... tous les villageois sont morts. Donc en réalité je n'ai même pas gagné le raid, malheureusement. Voilà, je suis assez triste. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, on pourra en refaire si on veut, hein. De toute façon, voilà, ça mange pas de pain. Mais voilà. Ok. Donc maintenant je suis un petit peu plus... Ah ouais, bah évidemment si je regarde un Enderman, je suis un petit peu plus rassuré au niveau de ce qui m'attend. Bon, juste là l'Enderman qui m'embête un petit peu, donc j'aimerais bien qu'il vienne. Alors oui, j'ai Sharpness 3 maintenant. Alors, je les two shot normalement, je pense, voilà. Je les two shot sans trop de problèmes. Dégage. Alors attends, par contre il me fait relativement mal. Dégage. Voilà, vous inquiétez pas, je vais bouger, hein, je vous rassure. Mais là il y en a un qui veut me faire du mal. Bon, qui même me suit, j'ai envie de dire. Alors ça se dégage. Et du coup, donc voilà, j'ai une armure en or sur moi. Enfin une pièce d'armure, donc des bottes en or.
Donc, j'ai bon espoir que ça se passe bien. Voilà. Donc on va suivre, on va continuer de suivre ce chemin. Les petits chiens, ça va. Oh, tranquille. Après, comme dit, ils sont nombreux. Vous m'avez fait la remarque que c'est vrai qu'ils sont quand même vachement nombreux. Donc ça fait, c'est un petit peu chaud. Mais on devrait quand même relativement s'en sortir maintenant. Étant donné que les piglins ne devraient pas me faire trop de mal. Et du coup, vous m'avez appris et rassuré que ça, c'est bien des pigmen finalement. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ils ne troquent rien, mais en même temps, ils ne t'attaquent pas. Et en fait, c'est eux là-bas qui nous attaquent ou alors qui nous troquent de l'or. En l'occurrence, normalement, il ne nous fera pas de mal. Sauf si on vole sur son territoire, si je dis pas de bêtises. Donc, on va faire attention. On va voir. On va voir. Dans tous les cas, j'ai de l'or. Donc, personne n'est censé me faire du mal. On va vite voir. On va vite voir. L'Enderman est gentil. Donc là, le seul méchant, c'est le loup, là. Voilà. C'est le petit chien-chien. Voilà. Tranquille. D'ailleurs, je vais juste montrer ma courtoisie envers ces bonhommes. Eh bien, en leur montrant mes lingots. Alors, attends. Dégage. Voilà. Monsieur. 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 Bonjour, monsieur. Regardez, monsieur. Hop. De l'or. Qu'est-ce que vous me proposez? On va voir, hein, ça se trouve, il vient de nous donner un truc de ouf. Ce serait vraiment génial. Oh bah! Une fire résistance. Ouais, les gars, on peut apprivoiser des loups. On peut apprivoiser des loups. Ok. Alors, ça, c'était pas prévu. J'ai pas envie du tout de la claquer maintenant, hein, pour le coup. Écoutez, je me prends un peu d'or, ça sert à rien. Ah, mais je suis complètement con. Ah, mais je suis complètement con, pourquoi j'ai fait ça? Mais je suis complètement con. Il m'attaque encore. Alors attendez, je ne parle plus. Ok, il est là. Je suis vraiment bête, hein. Est-ce qu'il m'en veut encore ou pas? Ah non, il est là. Non. Vous croyez qu'il m'en veut encore? Ah, je suis complètement con, moi je leur vole de l'or. Je suis un tocard. Bon. On va très vite voir s'il m'en veut encore. On va y retourner, mais moi, faut que je me prépare un accès pour m'enfuir. Voilà. Comme ça, je peux m'enfuir si jamais. Voilà, je vous ai promis qu'on avancerait, donc on va voir. Est-ce qu'ils m'en veulent toujours? J'ai de l'or. C'était lui là-bas qui m'a poursuivi. Visiblement il m'en veut plus. Eh mon ami, c'est bon, il m'en veut plus. Il ne m'en veut plus. Ok. Alors qu'est-ce que tu me donnes? Ok, c'est de la merde. Mais bon, je préfère ça plutôt que tu m'attaques. Ok, je suis complètement con quand même d'avoir pris de l'or. J'y avais pas pensé. J'y avais vraiment pas pensé. Par contre, faire gaffe à pas les taper parce qu'avec tous les loups. Donc ouais, je disais, on a une fire résistance et avec ça, on va pouvoir apprivoiser les loups. En plus, on a du charbon, donc ça tombe bien. Mais pour le moment, j'ai pas envie de claquer parce qu'il y a pas énormément de loups et parce que je suis pas en danger. Étant donné qu'on a qu'une seule fire résistance, autant en profiter et pas la claquer. Et on l'utilisera vraiment si je suis dans le mal. Si je suis en feu. S'il y a plein de loups, si on m'attaque, enfin peu importe quoi. Ok, alors pour le moment ça se passe bien, c'est très mignon par ici, regardez le petit screenshot de la vidéo, bam, voilà, ça fait plaisir. On va éviter de tomber. Là on se fait pas embêter, c'est sympa. Oh, ok. Oh, y'a un ghast. Oh, y'a un ghast. Y'a pas de donjon par contre. Y'a pas de donjon mais y'a un ghast. Là-bas y'a des os. Ah, y'a le feu bleu. Ah oui, vous m'aviez dit du coup le feu bleu c'est sur la Soul Sand. Ouais, parce que moi j'étais là en mode, bah attends, pourquoi y'a pas de feu bleu? Eh oui, c'est sur la Soul Sand. On va continuer par là. Moi je veux vraiment trouver, les gars, un donjon quoi. Moi, tout ce que je veux c'est un donjon. Alors là c'est très dangereux ce qu'on est en train de faire. Très 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 dangereux. Mais bon, c'est pas grave. Alors là vous comprendrez pourquoi je suis un petit peu calme, hein. J'évite de trop parler, je fais attention. Ouh. Oh là là, si je me prends un loup par derrière, je tombe, je meurs, hein. Mmh.
J'ai pas essayé d'ailleurs du coup. Sur moi j'ai... Ah bah non j'ai même pas de rope. De cordes, vous savez les cordes pour remonter à la surface. Faudrait vraiment essayer une fois. Bon je descends hein. Tranquillement. Parce qu'il faudra quand même remonter plus tard. Hein, faudra quand même ressortir d'ici. J'espère qu'on va vite trouver un donjon hein. Parce que ça va pas me plaire sinon hein. Hop. Voilà, je me fais un escalier plus ou moins bien parce que... Bonjour messieurs. Alors... J'entends des chiens. Oula. Il m'a fait peur. La vérité, il m'a fait peur. J'ai l'impression que ça mène à rien. Et par là-bas? Ah putain, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance, mais attendez. Regardez, il y a ces animaux-là. Ah, punaise. J'aurais dû y penser. J'aurais dû y penser, les amis. En fait, j'ai des selles à la maison. J'ai des selles à la maison. Et là, il y a les champignons, là. Ah. Bon, de toute façon, dans tous les cas, je descends. Tant pis, on va quand même continuer. Mais on aurait pu traverser très facilement la lave, comme ça... Ça aurait été génial. Oh, dommage. Putain, je savais que j'avais oublié quelque chose. Je suis deg. Ah, j'avoue, je suis quand même un peu deg. Hein. Je suis désolé. Mais bon, vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Déjà, on va descendre tranquillement. Bon, allez. Salut. On va en apprivoiser aujourd'hui. Vous inquiétez pas. On va faire ça. Histoire que ça serve à quelque chose ce qu'on fait. Mais d'abord. Voilà. Priorité à l'escalier. Allez, on va aller par là-bas. Il m'a fait peur. Allez, allez, remets-toi. Putain, il m'a fait peur. Eh, ils font peur, hein. Ils t'incitent à les taper, hein. Ok, bon, toujours pas de donjon. Eh, faudrait essayer limite quoi. Ils sont où les machins? Il faudrait essayer de troquer, là-bas il y en a un. De troquer avec eux et peut-être qu'il peut nous donner une selle. Ce serait excellent. Hop. Alors, il est où le coco? Il est où le coco? Là. Bonjour monsieur. Je suis en feu. Alors qu'est-ce qu'il me donne? Du gravier. Toujours mieux que rien. Tiens. Je vais en mettre plusieurs sur le chemin. Quoi? C'est des blocs d'eau. Là aussi des blocs d'eau. Alors qu'est-ce qu'il me drop? Oh! Magma cream. Iron nugget. C'est toujours ça. Magma cream, eh mais on peut faire plein de trucs avec. Redstone inductor. On peut surtout faire des potions de fire resist. Oh, eh ben voilà. On peut faire des potions de fire résistance. Et il m'a donné de la nether brick. On va pouvoir faire des popos de fire résistance sans avoir eu besoin d'avoir des blazes. Et ça c'est bien. Bonsoir. Oui parce que les blazes pour faire les... Enfin vous m'avez compris quoi. Pour faire les... Désolé, j'ai trop peur qu'on m'attaque. Donc j'ai du mal à parler. Mais pour faire les alchimies, là, les brewing stand. Voilà. On a plus besoin, là, avec les magma cream, c'est bon. Ok. Ok, de la soul sand. C'est mignon, ce qu'ils m'ont donné. Bon, on va un peu continuer. On a même pas besoin de trouver un donjon. Ah bah, y en a un. On a trouvé un donjon. Très bien. Bah tant qu'on y est. Bon ce qui m'embête c'est qu'il est un peu loin de chez nous quoi. Il y a un squelette. Il va se calmer direct. J'ai pas pris d'arc. Ok.
T-Sharpness 3, il fait quand même plaisir. C'est quoi ces blocs là? Basalte. On peut faire des trucs avec le basalte? Excusez-moi, je découvre. Hein. D'accord, on peut rien faire. Bon bah voilà, on a un donjon. Et un ghast. Ah, écoutez-moi ces... ces sons, trop bien fait. Allez, on va rentrer. Je suis pas très très serein. Je vais pas vous mentir. Bonsoir. Ok. Il y a plein de coffres en plus. Alors, lim rune, blue rune, green rune. Ah oui, c'est pour faire les couleurs de je sais plus quoi que vous m'avez expliqué. Ok, il y a que ça. Mais c'est naze. Oh, salut toi. Salut. Ça gaze. Oh. Trishot. Vas-y, donne-moi les têtes de Weezer, frère. Ce serait sympa. Ok, alors attendez. Il y a beaucoup trop de choses très intéressantes à voir. D'abord, j'aimerais voir le coffre là-bas. J'espère que c'est pas des runes, là. Des runes. Ok, de l'or. Et si des runes? On s'en fout de tout ça, là. On n'a rien à faire. Ok, bon, en tout cas, il y a des choses intéressantes. Là-bas, il y a de la netherwart. Donc même, pareil, pour les potions, ça va être génial. Ah, au moins, on va quand même pouvoir avancer convenablement dans l'aventure. Là, ça monte. Là, on va se servir. On a déjà de la... Il va pas m'attaquer, lui. Oh! Par contre, les trois, là, si. Allez. Oui, du coup, je disais, j'ai de la soul sand déjà, ouais. Excusez-moi, hein, vraiment, je parle de manière assez saccadée. Les gars? Alors? J'ai peur! Ils sont buggés. Ils sont buggés, ils sont totalement buggés. C'est très bien. Bon, je vais pas en prendre plus, j'ai peur. Et je vous jure, j'ai peur d'eux. Il y a des loups. Ils doivent être au-dessus. Ok, c'est presque safe à l'intérieur. Des blazes, yes. Dégage. Saloperie. Putain. Il va pas m'aider lui. Bon. Alors attendez les gars, faut qu'on discute. Ok, c'est bon. Y a pas de tête. Y a pas de tête. J'en entends un autre. Ah oui, là-bas. Bon, je sais pas comment. J'ai trop peur, les gars. Y a trop de monstres. Y a même un magma et tout. Allez, j'y vais. Ok. J'ai trop peur les gars, je me fais poursuivre et tout, j'entends les craquements, ambient sound, ça me fait peur. Oh. Oh. Excusez-moi. Hein. Il est là. Allez, viens. Putain, il vient pas. Voilà. Ah, il est plus là le... Oh putain, il est plus là le blaze, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux les gars, je... Ah, j'ai peur. Bon, déjà on a les trucs super intéressants. Bon. Ouais.
Il y en a juste au-dessus d'ivoire. En fait, j'en aimerais juste une. Juste une pour faire un alambic. Et c'est tout, j'ai pas besoin d'autre chose. Ouais, c'est bien. Allez, viens. C'est une blague. Ils sont où? Ah bah voilà, le bouclier protège. Ok, j'en ai eu un. Mais j'ai pas eu l'alambic. Attendez, il faut que je jette quelque chose. Dégage toi. Ok. Ok, ok, c'est safe. C'est safe les gars. C'est bon. J'ai ce que je voulais. J'ai eu ce que je voulais, je crois. Je check un peu s'il n'y a pas des trucs jolis à faire. Il y a beaucoup de nether. Il y a beaucoup de wither squelettes. Hein. Alors, je vais noter les coordonnées d'ici. Voilà. Bon, les gars, j'ai ce que je voulais. J'ai eu ma blaze rod. Pour faire la brewing stand. D'accord? C'était tout ce que je voulais. Après, pour les potions, on va se débrouiller. Dans tous les cas, on a... Regardez, c'est où? On a la magma cream qui nous permet de faire la fire resistance. À savoir ce que je voulais. D'accord? Donc là maintenant on a tout ce qu'il faut. On a réussi l'objectif d'aujourd'hui. Et du coup je suis très content. C'est mignon dis donc. J'ai pas envie d'y aller. Bah ça me fait toujours aussi peur le nether hein. Et ça monte par là. Ah! Allez, une petite tête de wither. Ça peut être mignon quand même. Avec tous les méchants. Non mais on va réussir à sécuriser tout ça hein. Vous allez voir. Ah ouais, ça descend aussi là. Il y a beaucoup trop de choses encore à voir. Il m'a encore tapé 0 fois. Alors attendez. Ok. Il y a un coffre. Oh là. Oui, oui. Oh non, je suis empoisonné. Oh non. Attendez, bougez. Oh non. Ah ça va, c'est pas long. Ah c'est pas long. Dieu merci. Dans ma tête c'était plus long. Alors je vais en profiter, on va tout prendre. Franchement on va rien laisser. Allez venez. Là je suis pas bien. Oh ouh. Mais c'est de la merde ce qu'il y a dans les coffres. C'est abusé. Ah bah on va en profiter tiens. Voilà. Allez, donne-moi ça. C'est parfait. Il y en a beaucoup trop. Hein. À mon avis, ça vient des mods. Il y en a énormément. Ou alors, c'est juste l'1.16 qui est comme ça. Ça part dans tous les sens, par contre. Pour le coup, ça part dans tous les sens, les gars. Oh, j'en ai plus rien à faire de ça. C'est vraiment naze. Là, ça redescend encore.